Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur News Daily. Eh bien, et jeudi à mardi, et pendant ça, nous avons le sommet nord-américain, sommet qui réunit le Canada, et le Mexique et les États-Unis. Eh bien, à côté de sommet, ça a Haïti, et pour le parler en particulier, et Joe Biden, justement, pour le discuter avec Trudeau sur la cause d'Haïti, à Yonka. Nous avons un grand problème, on dirait une mission impossible. Il va parler avec le Premier ministre canadien. Sous à propos si le Canada ou bien ça n'est pas un third country, un autre pays encore, et préparé pour amener une mission qui pourrait adresser la crise humanitaire qui vient dans le pays d'Haïti. Les États-Unis qui ont voulu presser, organiser ça n'est pas une mission pour aider le pays d'Haïti, mais les États-Unis qui lui-même comprend bien que et ça n'est les sociétés civiles, les Haïtiens généralement yo allergie avec eux. Donc les États-Unis qui a évité pour ne pas mettre pied ou qui pas veut faire ça n'est pas et un mouvement interventionniste dans le pays puisque et a compte tenu de passer Biden à Trudeau qui pral dans cadre et réunion bilatérale ça qui pral fait et pour jeudi mardi a nous bien dit qu'il va le faire à côté de San Darelé et le sommet des pays nord-américains au Mexique très certainement du Haïti et il y a bien pour dire qui type de force police multinationale qui capable supporter la police nationale d'Haïti et ces déclarations et conseiller de sécurité c'est Jack Sullivan qui t'a ba déclaration ça et les États-Unis croient que joindre un pays qui pour aider conduit et force ça important et c'est toujours Sullivan qui a parlé donc c'est ça me l'ai dit pour moment Sullivan qui t'a parlé avec reporter yo hier lundi a les demandé est-ce que Biden est effectivement c'est Canada vle ba ça et Sullivan dit bon on va aller by Canada problème il comprend bien là on va aller marrer puis Canada il pas parler trop sur lui parce que bah là nous comprenons les États-Unis souhaitent le Canada Canada lui-même paix on va voir Canada bon littérature vos émissions d'évaluation on va voir sur ça là donc Sullivan dit on quitte monsieur on quitte deux messieurs au chita ensemble pour voir qui ça va faire en non pas en d'autres termes il va aller faire déclaration pour aller mettre Trudeau dans soulier ben tous les deux t'as trouvé dans petit soulier puisque son crise bagaille a pays a mal à chaque public et il rend compte que tout le monde ouais que littérature fait go réunion et pas porter rien et Biden qui conscient que sans troupe et une troupe de mission pour Haïti crise n'a vivre là effectivement la vienne plus marcher chaque jour c'est ça nous constater chaque jour plus gang qui vini et puis puissant les États-Unis et le Canada et qui voyait nous tout connaît yo voyait des équipements et pour capable aider police la faire face avec bandi yo cap déstabilité et pays a et mais qu'on est là c'est échec là du côté du communication là c'est accord pour connait qui est-ce qui va mener mission ça et qui gens opération ça va aller et ambassadeur voyait et en fait Canada voyait ambassadeur sur ambassadeur OK et pendant près de côté dernièrement là il fait 3 jours dans le mois de décembre là il devine toujours est-il évaluer possibilité mission ça et les États-Unis continuent lui-même à downplay et ça n'a les troupes US troupes et son façon qu'on dit parce yo même yo pas intention effectivement fait ça n'a relé et débarquement dans le pays d'Haïti et compte tenu des expériences et Canada bon côté parle qui montrait que qui montrait justement et capacité militaire liée avec les États-Unis pour finaliser un accord pour acheter 88 F-35 jets et qui pour un prix de près de 14 milliards de dollars maintenant. Et alors là, nous suivons. Nous autres, ça nous espérons, c'est que définitivement,
que monsieur yo passé et que yo passé justement de la parole aux actes, puisque nous même nous croyons que véritable monde cap subi yo bouqué d'autres monde capable de faire littérature. Mais le simple citoyen qui n'a pas qu'un moyen pour défendre tête, il n'a pas qu'à vaquer et librement à leur bien, il est vraiment fatigué. Et je ne veux dire, on va remarquer depuis qu'on bagaille qui tombe, tout besoin parti. Pas presque tout le monde dans le pays. Nous avons dit hier que le Canada faut tout faire, mettre des données là, il dit, dans tout le monde qui a demandé asile dans le pays, Haïti en premier. Haïti en premier. En la vérité, nous premier de tous côtés, puisque définitivement, nous devons comprendre c'est le fait que nous n'avons pas la vie, c'est aussi simple que ça. Nous n'avons pas la vie pour être pas yo, et l'avenir pour petit yo. C'est vraiment une solution désespérée. Nous-mêmes, nous pensons que les membres de la communauté internationale, nous pensons que yo prend trop de temps. Yo prend trop de temps. Et nous pensons que chaque jour qui a passé, qui a été réagi, c'est opportunité. C'est des opportunités qu'on a perdu. Ça me l'a dit par là. Gain des entrepreneurs, nous ne pouvons pas jouer encore. Je vais prendre ça. Gain des entrepreneurs calés qui ne peuvent jamais tourner dans le pays ça encore. Gain des entrepreneurs qui ne peuvent jamais jouer encore. Et je vous dis, gain des trois mondes qui étaient. Ils ont fait garder toujours. Il y a fondi gardé tout, mais il est conscient que pas grand qu'une condition réunie pour les affaires en Haïti. On laisse que vous faites s'endarrer des accords avec des gangs qui pour bord de sécurité. Et ça lié, si pour capable de fonctionner. C'est un pays justement complètement livré aux gangs. Il est clair. Nous ne pouvons pas quitter, nous ne pouvons pas panago, si nous ne pas livrer bataille. Et bien, nous ne pas capable de faire tout ça. Ça, nous avons quoi? Nous avons fait baisser les armes, faire la paix. Nous ne pouvons pas faire. La paix est faite, mais ça ne va pas empêcher dernièrement là, un musicien de jouer. Il a kidnappé, il ne va pas être menti. Après ça, il a lagué le tout en bonne bagaille. C'est clair que. Et si vous voulez, en fait, ses amis, si tout bon vrai, vous avez un minimum de sensibilité pour cette population, et vous êtes supposé longer mes bails, et justement pour permettre que vous soyez capable de circuler. C'est ça que nous pensons nous-mêmes.